Salut à tous, on est le matin, il est 6h30 et là je suis en train de me préparer pour aller au championnat de France de développé couché, supporter Alison. Alison qui est l'ambassadrice de discipline, championne de powerlifting et de développé couché et qui participe aujourd'hui au championnat de France de développé couché en Normandie. Donc on va prendre notre petit déjeuner, ensuite on va récupérer la voiture de location et on va aller en Normandie pour aller discuter sport avec des powerlifters et supporter Alison dans ce grand jour. Voilà, donc là on est à 1 heure d'arrivée à Beuzeville pour les championnats de France de développé couché. On va y aller tranquillement et j'espère qu'on va pouvoir rencontrer un maximum de gens et pouvoir parler de discipline, de sport. Et on espère que Alison va finir championne et qu'on va tout défoncer aujourd'hui. Donc voilà, donc on va filmer la journée avec PA. J'espère que vous allez kiffer et puis let's go, on y va, hein. Arrivé au championnat de France de développé couché, on est à Beuzeville. Alors, on va rentrer tranquillement à l'intérieur, voir la compétition en attendant qu'Alison fasse son passage. Elle passe vers 19h, donc on a le temps, ça nous laisse le temps d'aller rencontrer du monde, aller parler de la marque, aller parler de la compétition développé couché. Donc là, il y a le plateau handicapé qui va commencer à 12h30. Je suis impatient de voir ça parce que quand on parle d'exploiter son potentiel, d'aller toujours dans le dépassement de soi, on est complètement dedans et je veux vraiment voir ce qu'ils vont donner et comment ils vont s'arracher. Je vais vous filmer le reste de toute façon de la journée. On va directement à l'intérieur pour voir tout ça. C'est parti. Nous, on est capable de mettre en avant ce sport qui est le même que l'autre, si ce n'est qu'eux n'ont pas les jambes, pas toujours, voilà. Mais pour autant, ils pratiquent le même sport. Allez Stéphane, voilà, c'est propre, c'est super. Donc 15 kilos, il est passé. Là c'était juste super impressionnant, il a réussi à passer 110 kilos. Vous imaginez ce que c'est 110 kilos sans la force des jambes, sans leg drive, sans pontage, etc. C'était juste incroyable. Il va avoir une autre barre après. Allez, je suis impatient de voir jusqu'à combien il peut monter. Allez, vas-y, allez, 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 278 et une barre à 120 kg, Stéphane. Les gars, je suis choqué. Il y a le plateau anti qui vient de passer et c'était trop impressionnant. Le dernier qui a participé, il a levé une barre à 120 kg. Vous imaginez ce que c'est lever 120 kg sans l'aide des jambes, avec quasi pas aide du dos, juste sur ta force, des pecs, des triceps. Et moi, je suis juste trop impressionné par ses performances. Et si la marque aujourd'hui, elle existe, si discipline aujourd'hui existe, c'est pour l'exploitation du potentiel et c'est pour voir ce genre de moment sportif. Et c'est vraiment incroyable. Et cette journée, elle nous apprend beaucoup sur notre force et sur notre capacité à se dépasser. Et j'espère qu'on va en apprendre encore beaucoup. Allez, on se retrouve pour la suite tout de suite. Bref. Bref. Rack. Vous suivez Nathalie. On s'entraîne les gens. Bon les gars, on arrive à la moitié de la journée. Donc là il y a eu les passages des anti, des master 4 et des master 3. Donc c'est les personnes plus âgées. Il y a eu des grosses performances, c'était assez impressionnant. Et là maintenant on attend tranquillement le passage des open femmes, dont Alison. Et les gars, on dirait pas que je suis en all inclusive, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je peux utiliser toutes les barres et tous les poids. On y va. We'll be right back.
réchauffe, messieurs-dames. Allison, future championne à notre côté. Une barre exceptionnelle, 92,5. Et la championne de France 2022 dans la catégorie Open 52 kg. Elle nous vient également de la région parisienne. Alison Nuet, de Bourg-en-Bresse. Voilà les gars, on est de retour à la maison après ce week-end de fou. C'était une journée incroyable, que ce soit au niveau du dépassement de soi qu'on a pu voir, des rencontres qu'on a pu faire et bien sûr du succès d'Alison lors de ses championnats. Championne de France, record woman en open moins 52 kg avec une barre à 95 kg. C'est juste incroyable. Bravo encore Alison. Je vais vous tourner plus de vidéos où je vais sur des événements comme ça. J'espère que vous allez apprécier. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de toujours exploiter votre potentiel. Ciao. They tryna hit me, I'm running the race. I gotta pick up the pace. They throw in shade, but I'm gone. You gotta keep it a buck in my face.